Aujourd'hui, d'innombrables catastrophes en tout genre causent d'énormes dégâts. Humains, matériels et bien d'autres. Nous avons pu le déplorer avec le tremblement de terre de Lisbonne et au Népal. Grâce à la science, les causes sont connues. Faut-il baisser les bras, se demanderont certains. Ne pas accepter le fatalisme de la situation, se convaincront d'autres. Mais vous, que désirez-vous? Aujourd'hui, demain, agir. Ensemble, unis, nous le pouvons. Nous autres jeunes de Ferney, nous en avons envie. Au fond de la grotte Chauvet, des hommes, des bisons et des lions sont peints pour que nous le sachions. La nature n'est pas qu'un gibier. Cela lui rend dommage qu'il tresse des chemins de fleurs pour empêcher l'odieux passage de maudits engins destructeurs. Et de fait, nous voyons sur terre conspirer l'eau, le vent, la mer. Aidés de l'homme et du savant, ils freinent le réchauffement. Plus que 5 rhinocéros blancs, juste pour des raisons d'argent. Il faudrait les préserver pour stimuler la biodiversité. Notre planète souffre par l'homme. Obsédé par son enrichissement, en oubliant d'où vient la pomme, il transforme les forêts en champs. L'Amazonie est notre poumon. Notre pouls s'arrête à son chevet. De patience, nous devons nous armer pour prendre de bienveillantes décisions. Des nappes noires les couvrant, que de beauté disparaissent. Éternelles richesses que sont les océans. Sans eux, nous sommes réduits au néant. Étouffant ciel bleu de fumée, les degrés grimpent tous les ans. Un sablier de nos glaciers vidant nos jours dans l'océan. Au Népal, le séisme n'est pas arrivé sans facteur. Le réchauffement climatique est un élément déclencheur. Vous autres subissez et succombez sous des typhons. Des ouragans, séismes et inondations. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, cela doit changer. Avec de belles paroles, mais surtout des actions. Avoir conscience, se réveiller. Il ne suffit plus d'y penser. Pour les espèces, il faut agir. Elles sont nées, c'est pour s'épanouir. À Ferney, les élèves veillent à cultiver leur jardin pour mieux comprendre les relations entre l'alimentation et développement durable. Notre terre et notre jardin.